Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtual, j'espère vraiment que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour faire part d'un glitch qui vous permettra d'avoir tout simplement la radio en permanence, c'est-à-dire que même quand vous allez être à pied, vous pourrez écouter la radio, et quand vous allez braquer un magasin, vous pourrez écouter la radio, pas besoin d'être dans une voiture. Donc ce glitch est vraiment très très fun, étant donné que vous avez dit que ma chaîne manquait un peu de glitch en ce moment, je vous ai trouvé un petit truc. En ce qui concerne les glitches de duplication et d'argent, j'essaye d'attendre un peu que la 1.16 passe avant de vous en offrir. Donc pour réaliser ce glitch, c'est vraiment très très simple. Donc comme je vous l'ai montré sur la vidéo, je vous ai montré que j'ai bien activé le son de la radio, donc là je ne l'ai pas, je n'entends pas la radio. Je vais me mettre dans la voiture, vous allez pouvoir voir que j'entends la radio, c'est tout à fait normal. Donc ce glitch est vraiment très très simple, il peut se réaliser tout seul ou même à plusieurs. Donc pour réaliser ce glitch, vous allez simplement appuyer sur Start et aller sur En ligne. Une fois sur En ligne, vous allez simplement aller dans Activité, Héberger Activité, et vous allez simplement héberger une activité créée par Rockstar. Donc en attendant que je fasse ça sur la vidéo, donc si c'est un peu en décalé, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. En attendant, moi je vous invite à me rejoindre sur mon groupe Facebook, ma page Facebook et mon Facebook personnel. Donc il me reste plus que 500 places dans mes amis, je vous invite à me rejoindre et à m'inviter très rapidement avant qu'il n'y ait plus de place. Après, il vous faudra tout simplement vous abonner à mon compte Facebook. Et du coup, voilà, donc une fois que vous êtes dans l'activité, vous êtes simplement sélectionné la radio que vous voulez, ou vous laissez comme vous voulez, ou vous mettez la radio que vous voulez. Personnellement, moi je vais en mettre une au hasard. De toute manière, je suis pas vraiment très fan des radios sur GTA V, je les désactive dans tous les cas. Et une fois que vous avez choisi la radio que vous souhaitiez écouter, vous allez simplement rejoindre une personne qui sera dans une activité, mais cette activité devra être pleine. Alors soit une activité, soit une session pleine, soit une course, peu importe. À partir du moment où la session est pleine, le glitch marchera. Donc quand vous venez de le voir, ça m'a mis le message que la session était pleine. Je viens de réapparaître sur GTA Online, je suis à pied, et pourtant je peux sélectionner la radio, je peux écouter la radio et la changer comme bon me semble. Donc il y aura un petit tuto dans la description pour ceux qui n'auraient pas compris. Je remercie l'abonné qui m'a fait part de cette petite trouvaille qui est vraiment très très fun. Je le remercie, je te fais une grosse dédicace. Donc voilà, je pense avoir tout dit pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez vraiment un maximum de likes et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à tous à très très bientôt. Allez, ciao bébé tout le monde.